Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous, puisque vous allez peindre votre toute première figurine. Si vous avez vu la vidéo sur comment c'est les figurines, je vais vous conseiller une boîte de base de peinture de Game Workshop. Et bien, je vais me servir de ça pour peindre un Space Marine au schéma de couleur ultramarine. Alors attention, si jamais vous me découvrez avec cette vidéo ou celle juste avant, sachez qu'avant de faire des vidéos YouTube en tant que métier, j'étais peintre professionnel, c'est-à-dire que des gens me peignaient pour que je peigne leurs figurines. Je vous dis ça pour pas que vous pensiez que c'est votre faute ou que vous avez fait quelque chose de mal à la fin si vous n'avez pas le même résultat que moi. C'est juste tout à fait normal et ne vous inquiétez pas, la peinture ça vient avec le temps. Cependant, j'ai essayé de faire tout pour que ça soit vraiment le plus accessible possible et que vous puissiez être motivé à fond. Et dites-vous bien que même si je peins bien aujourd'hui, quand j'ai recommencé, c'était pas forcément ça. Vous voyez à l'écran la première figurine que j'ai peinte en reprenant les figurines en 2012. Allez, c'est parti, on passe à la peinture. Générique. Donc, comme je le disais, j'ai pris le pack de démarrage de Game Workshop pour peindre cette figurine. C'est un pack que je trouve extrêmement bien en fin de compte. Juste, j'ai pris mon ébarboir à moi, puisque j'ai perdu le tout petit originaire du pack. Je n'avais également plus de Corax White à la maison et il n'y en avait plus au magasin. Donc j'ai pris ce que j'avais de plus proche chez moi, à savoir de l'Ultuan Grey. Et dès que dans cette vidéo j'utiliserai de l'Ultuan Grey à la place du Corax White, il faudra donc le remplacer. Mais ne vous en faites pas, je le préciserai. Il vous faudra donc en plus de la boîte, une colle plastique, un récipient pour de l'eau, moi j'ai pris un truc en plastique. Il faudra aussi une palette de peinture, alors ça peut être un vieux carrelage ou un CD par exemple. Moi j'ai pris une à 2,50€ qu'on trouve en grande surface. Et dernière des choses nécessaires que je n'ai pas mis à l'écran, une sous-couche en bombe. Allez, on va dégrapper et coller cette figurine maintenant. Alors vous voyez sur la grappe, il y a des numéros en fonction des pièces. Là vous avez le numéro 2, puis la 7, etc, etc. Ces numéros vous seront très utiles pour suivre les manuels de montage qui sont donnés avec vos figurines. On va donc dégrapper la figurine. Donc quand les kits sont en easy to build, comme ce Space Marine là, c'est qu'ils peuvent s'emboîter sans colle. Et pour ça, il y a des petits chichous qui ressortent par-ci par-là. Il faut surtout pas les couper. Là où vous devez couper, ça ressemble toujours à un petit pic qui finit une sorte de petit point à un endroit précis de votre figurine. Pour couper au mieux, il faudra que vous mettiez le côté plat de votre pince coupante sur la partie de votre figurine. C'est le meilleur moyen d'avoir une coupe nette. À partir de là, c'est toujours pareil. Vous faites bien gaffe à mettre bien le plat où vous voulez couper. Une fois que vous aurez tout coupé, vous allez prendre l'ébarboir. Ça va nous servir à lisser les zones coupées en enlevant les petites imperfections qui pourraient rester. Alors c'est très très facile à utiliser et c'est non coupant, donc c'est pratique pour les gosses. Vous prenez donc la partie longue et vous la posez sur la zone qui a été coupée avec un angle d'environ 45 degrés. Et là, vous grattez, tout simplement. Il faut gratter ni trop fort ni trop doucement. Si vous grattez trop doucement, ça n'enlèvera pas la matière, mais si vous grattez trop fort, ça va enlever trop de matière. Vous allez vite ressentir et comprendre le truc quand vous l'aurez en main, ne vous inquiétez pas. Donc vous grattez jusqu'à ce que ça soit propre. Donc, rien de bien compliqué, hein, vous faites ça sur toutes les zones où il y avait une tige de coulée avant. Une fois que ça sera fait, on va coller tout ça avec de la colle. Alors rien de bien compliqué, vous pouvez vérifier les zones à coller en plaçant les pièces les unes contre les autres avant pour vérifier. Là où ça se touche, ça sera les jonctions, et c'est à ces endroits-là qu'il faudra mettre de la colle. Dès que vous aurez mis de la colle sur les jonctions, vous collez les pièces entre elles et vous les tenez un petit peu. La colle plastique prend vraiment très très vite et a pour propriété de faire fondre le plastique. Donc si jamais vous avez collé deux pièces et que vous vous rendez compte assez vite que c'était pas comme ça qu'il fallait les coller, en séparant les pièces, il y aura plein de petits filaments entre les deux pièces. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est parce que du coup, comme j'ai dit, la colle a fait fondre le plastique. Et donc du coup, ils ont commencé un peu à fusionner. Il suffira juste d'enlever avec l'ébarboir ces petits filaments disgracieux et de recommencer. Parfois, il se peut que certaines parties de votre figurine ne soient pas intéressantes à coller tout de suite. Par exemple, là, les bras qui portent le fusil m'empêchent d'avoir un bon accès au plastron de la figurine. Puisque ce modèle est en easy to build, il peut donc tenir sans la colle. Et je vais en profiter pour ne pas coller les bras et avoir plus tard, pendant la peinture, le meilleur accès à cette zone. Alors, la figurine que j'utilise ici est un Space Marine démo que vous pouvez avoir gratuitement dans les magasins Game Workshop. Et sur la grappe, il contient un socle déjà tout texturé. Dans le doute que votre première figurine vienne d'une des boîtes de base dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, et soit donc vendue avec un socle séparé et non texturé, je vais couper les tiges sous les pieds pour coller la figurine sur un socle qui est normal, enfin vierge, noir. Maintenant, il va falloir attendre que tout ça sèche, genre environ 20-30 minutes. Au bout de 10 minutes, vous pouvez déjà normalement vous en servir, mais comme c'est la première fois, on va quand même faire les choses aussi bien que possible. Vous pouvez par exemple monter votre figurine devant la télé, devant une série, la laisser sur le côté, et une fois que c'est terminé, allez hop, à la peinture. Une fois que c'est sec, on va pouvoir passer à la sous-couche.
Alors pour la sous-couche, il faut être en extérieur, pour vos poumons c'est quand même mieux, avoir des gants si possible, et se tenir entre 20 et 30 cm de la figurine, et faire des petits à-coups de sous-couche pour ne pas en mettre trop d'un coup et recouvrir toute la figurine, et ainsi boucher les détails avec trop de peinture. Laisser sécher le temps indiqué sur la sous-couche, ça varie en fonction des constructeurs, et à la fin voilà à quoi ça devra ressembler. Bon, moi ça brille, mais c'est dû à la sous-couche Cultura. C'est aussi pour ça que je l'aime pas trop. Normalement, la vôtre ne brillera pas, enfin pas autant, ça sera légèrement satiné, mais pas brillant comme ça. Et voilà, on a fini les préparatifs, on va pouvoir passer à la peinture à proprement parler. Alors, on va commencer par la couche de base, la plus dominante, le bleu. Donc, vous prenez votre pot de peinture, et ici, ça sera du Macrag Blue, la couleur principale du coup de notre ultramarine. On va prendre un peu de peinture du pot pour la déposer sur la palette. J'ai pris 3 fois la même quantité. Après, je rince mon pinceau dans l'eau, et je vais tremper légèrement un peu le bout de mon pinceau dans l'eau pour venir rediluer après la peinture sur ma palette. Pas énormément, hein, mais c'est juste un tout petit peu, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que ça séchera moins vite, et donc il y aura moins de gaspillage de peinture. Et la deuxième, c'est que ça fera des couches plus fines sur la figurine, et ça évitera donc de boucher les creux, et de ruiner donc les détails de sculpture de votre figurine. Et maintenant, on va peindre. Alors au niveau de la quantité de peinture dans votre pinceau, il faut plus que vous ayez l'impression d'avoir un pinceau à poils bleus, qu'un pinceau avec de la peinture dessus. Vous me suivez? Là, regardez, mon pinceau n'a pas l'air d'avoir autant de peinture que ça sur lui. Et il faut absolument éviter de voir la peinture sur le pinceau à proprement parler. Si vous peignez une figurine avec une quantité de peinture qui déborde des poils, ça va boucher les creux. Vous aurez beaucoup trop de quantité de peinture, ça sera très pâteux sur votre figurine. Vous n'approchez jamais votre figurine avec autant de peinture sur le pinceau que comme qu'on l'a pris directement depuis le pot. Jamais, jamais, jamais. Mis à part bien gérer la quantité de peinture dans votre pinceau, là, rien de bien compliqué, vous recouvrez entièrement toute la figurine en bleu, qui est la couleur principale, on le rappelle, sans vous soucier de déborder ou non sur les autres zones. De toute façon, elles auront droit aussi à une couche de base après, et on recouvrira donc les possibles débordements. Alors vous remarquerez que la peinture n'est pas très opaque, et c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on l'a redilué avant de peindre pour avoir une couche plus fine. Mais plus fine veut aussi dire plus translucide. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal et c'est voulu. Pour pallier à ça, il faudra juste une deuxième couche dès que ça sera sec. Allez hop, vitesse rapide. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Vous noterez que j'ai enlevé les bras pour mieux accéder aux zones d'en dessous de l'arme. On va donc passer la deuxième couche, et tout ce que vous aurez à faire, c'est de refaire exactement la même chose que l'étape précédente. Bien évidemment, ne faites la deuxième couche que quand la peinture de la première sera sèche. Alors, on va passer à une autre couleur de base, le noir. Donc, comme le bleu, on en prend un peu, on le met sur la palette et on y ajoute un tout petit peu d'eau. Vraiment juste tremper les poils du pinceau, pas plus, hein. C'est juste pour rediluer et pas que ça sèche trop vite. Et là, on va passer la Battle Black sur le noir pour avoir un noir uniforme. Et au cas où, on aurait débordé le bleu sur le noir. Pour le coup, pour moi, c'est d'autant plus important que ma sous-couche a été brillante et que je ne veux pas que mes parties noires soient brillantes. Je vais peindre en noir le gros de l'arme et toutes les jointures au niveau des articulations. Pour moi, c'est un peu du caoutchouc et donc c'est noir. Je vais aussi peindre la petite sacoche qu'il y a juste au-dessus de ses fesses. C'est le même principe que pour les autres couches de base, vous faites 2 couches légèrement diluées pour éviter de remplir de peinture tous les creux de la figurine et donc amoindrir les formes de la figurine. La patience sera votre meilleure arme pour la peinture, surtout au début, retenez bien ça. La prochaine couche de base sera du Mephiston Red. On va s'en servir pour faire les yeux et la cire qui maintient le sceau de pureté sur les polyères. Alors les yeux, c'est assez précis comme truc. Si jamais vous débordez, vous pourrez toujours repasser 2 fines couches de bleu pour rattraper, ne vous en faites pas. Après, pour vous aider à ne pas déborder, il va falloir avoir une bonne prise en main de votre figurine. Pour ça, vous devrez bien tenir avec une main la figurine et poser votre annulaire de la main qui tient votre pinceau sur la figurine en question. Et si possible, vous pouvez joindre vos 2 mains au niveau de la paume. Ça permettra à vos mains d'être plus en harmonie au niveau des mouvements et des secousses que votre corps peut créer. Et donc, ça vous permettra de faire moins d'erreurs accidentelles de mouvement. Ensuite, on va faire une couche de base de Corax White sur le parchemin. Donc, comme je vous ai dit au début, moi c'est de l'Ultian Grey, mais vous mettez du Corax White dessus, ça sera très très bien.
Alors, comme c'est du blanc sur une sous-couche noire, il se peut que vous deviez faire 3 voire 4 couches fines pour avoir une couvrance optimum. Vous en faites pas, c'est normal. Tant que vos couches sont assez fines pour ne pas recouvrir les détails, vous pouvez en mettre jusqu'à la couvrance optimale. Ne vous en faites pas, il faut être patient, encore une fois. Et voilà, vous en avez fini avec les couches de base mates. On va pouvoir passer aux couches de base métalliques. Alors pourquoi vous ai-je fait faire ça dans ce sens ? Eh bien, tout simplement parce que les peintures métallisées contiennent des paillettes dans leur pigment, pour l'effet métallique justement. Et si jamais vous les faites avant ou pendant vos couches mates, et que vous rincez les peintures métalliques dans le même pot à eau que les peintures mates, il y a des petites paillettes qui vont se mettre dans l'eau. Et quand vous passerez couche mate, eh bien les petites paillettes, même si c'est que très peu, se mettront dans la couche mate et donnera un léger effet brillant à certains endroits de votre couche mate. Or, vous voulez par exemple un parchemin mat et pas un parchemin qui brille. Et pour éviter ça, du coup, on sectorise d'abord le mat, après le métallique, et ou alors, si vous avez la foi, dès que vous faites une couche de base ou une peinture métallique quelconque, vous rincez votre eau avant de repasser à une couche normale de peinture mate. Bref, passons donc alors avec le pot de Retributor Armor. Cette fois, on ne va pas rediluer la peinture, ça bouscule un peu trop l'équilibre paillettes, peinture, pigment. Ça vous oblige à remélanger très régulièrement votre peinture sur votre palette, et on va vous éviter ces petits embêtements pour le moment. Vous n'y êtes pas encore. On va donc pas la rediluer. À la place, on va essayer de plus étaler la peinture. Et encore une fois, de ne pas trop en prendre dans votre pinceau, attention. Souvenez-vous les poils bleus au début. Mis à part ce petit changement, c'est tout pareil. Donc comme j'ai dit, vous allez vraiment tirer un peu plus la peinture. C'est-à-dire que vous allez poser la peinture sur une partie et que vous repasserez plusieurs fois dessus. On va faire en doré l'aigle du torse, les bordures des polières et également l'aigle qu'il y a sur l'arme. Il est maintenant venu le temps de faire les parties argentées. Donc c'est exactement pareil que pour les parties dorées pour le coup. Et sauf qu'on va faire ça en argenté. Toutes les parties qui vous semble métallique du fusil seront peintes en argenté, des sortes d'échappements du paquetage dorsal et les petites bonbonnes qu'il a sur les fesses ainsi que les tuyaux au niveau des joues. C'est tout ça qu'on va peindre en argenté. Et voilà, vous en avez fini avec toutes les couches de base. Alors l'étape qui suit est un peu plus dure, si vous ne vous sentez pas, vous pouvez directement aller à la partie socle de cette vidéo et vous aurez donc une figurine qui sera peinte uniquement en couches de base, ce n'est pas grave pour une première, ne vous en faites pas. Mais si vous vous sentez, on va accentuer les volumes grâce au lavis maintenant. Ici, je vais vous montrer une technique de lavis que j'appelle le lavis précis. Ça consiste à ne mettre du lavis que dans les creux et les endroits que l'on veut assombrir. C'est bien plus long que de faire un lavis entier sur la figurine, qu'on appelle le lavis global, mais si vous faisiez un lavis global, vous devriez repasser une couche de base de bleu aux endroits qui ne devraient pas être assombris par le lavis. Donc bon, l'un dans l'autre, en fait, soit vous perdez du temps avant, pendant le lavis, soit vous perdez du temps après. Dans tous les cas, il faudra faire une étape plus longue. Donc, autant laisser la couche de base propre et fine que vous avez fait de bleu, telle qu'elle est, en faisant un lavis précis. En plus, ça augmentera votre dextérité, et donc votre niveau de peinture. Vous noterez que ce que je viens de faire sur l'aigle impérial est un lavis intégral en gros. C'est-à-dire que j'ai recouvert tout l'or. C'est différent du traitement qu'on va appliquer au bleu juste après. Pour le lavis intégral, rien de plus simple si jamais vous voulez faire ça, vous prenez votre lavis et vous l'appliquez sur toute la zone que vous souhaitez faire en lavis. Le lavis est une peinture fortement diluée et ira toute seule directement dans les creux. Et de même, on fera un lavis intégral sur le parchemin qu'on avait basé en blanc. Ça le teintera tout simplement en vieux parchemin sans effort une fois que ça sera sec. Le rouge ainsi que les métaux argentés seront eux aussi peints en lavis intégral. Alors, pour faire des lavis précis, on va charger son pinceau en lavis, c'est-à-dire mettre les poils dans le lavis, mais sans en abuser. La moitié ou trois quarts des poils grand maximum. Ensuite, tout simplement, vous allez venir mettre la pointe de votre pinceau dans les creux de la figurine. Le lavis ira directement dedans, tout seul comme un grand. Et il y a de fortes chances que vous débordiez par-ci, par-là, surtout la première fois. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Il faut persévérer et être patient. Vous pourrez repasser du bleu sur les parties où vous avez débordé, tout comme dans la première étape. Tout se rattrape, ne vous en faites pas. Là, vous allez donc mettre du lavis dans tous les creux de la figurine. Voilà, maintenant qu'on a redonné du volume en assombrissant les creux de la figurine,
Cette dernière est un petit peu terne, et pour pallier à ça, on va faire des éclaircies. Alors on va commencer avec les métaux, parce que c'est la seule peinture d'éclaircie toute faite qui est présente dans la boîte. Alors vous prenez du Renfeng Steel et vous le posez sur votre palette. Et tout comme les autres métaux, vous ne le rediluez pas, il est très très bien comme ça. Alors il a une consistance un petit peu pâteuse, c'est normal, c'est parce qu'il y a aussi un peu de vernis dedans pour qu'il soit bien pétant. Et grâce à ce vernis, même si vous n'avez pas trop de peinture sur votre pinceau, ça rehaussera la lumière de vos métaux. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Prenez que très peu de peinture sur votre pinceau et appliquez-le sur les arêtes des dorures. Avec un angle d'environ 45 degrés entre le pinceau et l'arête, c'est plus facile d'ailleurs. Et vous verrez que tout de suite, ça rehausse la teinte. Pour les ailes du plastron, on va essayer de juste frôler les plumes pour ne pas en mettre trop et surtout ne pas en mettre dans les creux. Ça gâcherait le lavis qu'on a fait juste avant. Alors même si vous pensez ne pas avoir trop de peinture sur votre pinceau ou que vous ne déposiez pas trop de peinture, ne vous inquiétez pas. Comme j'ai dit, entre le lavis et les paillettes, le Renfeng Steel se dépose même si on le voit pas trop. Soyez patient, ne chargez pas trop votre pinceau et faites plusieurs passages. Quand il s'agit des éclaircies, mieux vaut y aller doucement et sereinement que d'y aller comme un gros bourrin et de rater pour devoir refaire les étapes qu'on a fait juste avant. J'en profite aussi pour remettre en place le bras, mais je ne le colle pas pour autant, sait-on jamais. On en a fini avec les peintures métalliques pour cette figurine, donc vous allez changer votre eau pour avoir une eau toute propre, toute claire et surtout sans paillettes. Donc l'étape qui suit n'est pas très facile, mon but dans cette vidéo est de faire un Space Marine avec la boîte de base de peinture. Mais bon, vous avez vu qu'il n'y a pas plus de bleu plus clair dans la boîte. Par contre on a du blanc, et du bleu de base. On va donc faire nous-mêmes nos éclaircies en mélangeant. C'est pas si compliqué que ça, ne vous inquiétez pas, mais si jamais vous avez peur, vous pouvez à la place des deux étapes suivantes acheter du Calgar Blue et du Fenris and Grey. Alors pour le mélange, on va prendre deux doses de bleu et une dose de blanc. Vous allez bien tout mélanger sur votre palette pour avoir une texture homogène, et là on va y ajouter un petit peu d'eau. Tout comme les premières étapes de couche de base, pas plus, pas moins. Et voilà, vous avez créé votre toute première couleur vous-même, le premier éclairci que vous allez faire. C'était pas le plus dur, le plus dur arrive. Si jamais vous ne sentez pas de faire l'étape qui suit pour le moment, vous pouvez passer directement à l'étape des socles. On va faire des lignages, c'est-à-dire qu'on va éclaircir les arêtes de votre figurine. C'est ce qui va donner beaucoup plus de volume au volume, justement. Vous vous souvenez de la position des mains idéale pour la lentille rouge qu'on a fait tout à l'heure? Eh bien, il va falloir beaucoup s'en servir pour la prochaine étape. Pour vous aider, quand c'est possible, vous pouvez ligner avec le plat de la pointe de votre pinceau à 45 degrés de l'arête à éclaircir. Attention à ne pas trop appuyer, sinon ça ferait un gros trait, tout comme les étapes d'avant. Au pire, si jamais vous débordez, vous pourrez toujours rattraper après, ne vous en faites pas. Pour le lignage à l'aide de la pointe du pinceau, il faut que vous posiez la pointe en contact de la figurine pour que la peinture s'applique, mais aussi que vous n'appuyez pas trop pour ne pas faire un trait de la largeur de vos poils étalés. On veut un trait fin. C'est clairement l'étape la plus dure et la plus longue que vous êtes en train de faire, mais c'est ce genre d'étape très dure et très longue où il faut être concentré assez longtemps qui vous font vraiment beaucoup progresser en peinture. Là, normalement, vos yeux, vos mains et votre cerveau sont à fond dans ce qu'ils font et ils enregistrent. La peinture, c'est de la mémoire musculaire en fait. C'est pour ça que ça vient avec le temps. Un peu de connaissance aussi, mais ça, vous avez tout le temps de l'apprendre. Une fois que vous aurez fait toutes les arêtes, on pourra refaire un éclairci, histoire encore d'augmenter la luminosité, mais avec une peinture plus claire encore. Encore une fois, cette étape est optionnelle et vous pouvez passer du coup à l'étape des socles si jamais vous ne vous sentez pas. Mais bon, si vous venez de faire ça, normalement ça devrait aller. Alors, le processus sera exactement le même que l'étape d'avant, à ceci près que maintenant le blanc et le bleu seront mélangés à 1 pour 1 et non plus à 1 pour 2. Cependant, vous n'allez pas aligner toutes les arêtes comme vous venez de le faire. Vous allez aligner que les arêtes que vous voyez depuis le zénithal. Le zénithal, c'est le zénith, c'est ce que le soleil fait quand il est à midi pile. Donc en gros, vous regardez votre figurine par-dessus, et toutes les arêtes que vous voyez depuis ce point de vue devront être éclaircies avec cet éclairci plus clair. Les autres, vous les laissez tranquilles. Une fois que vous aurez terminé ça, pour pousser encore un tout petit peu le vis et après on arrêtera, on va faire pareil pour le rouge. C'est-à-dire qu'on va mélanger deux doses de rouge pour une dose de blanc, et avec ça on va éclaircir la cire du parchemin et les lentilles. C'est toujours pareil, si ce n'est que pour les lentilles, je vous conseille de prendre la peinture au bout de votre pinceau et de ne faire qu'un tout petit point, en touchant la lentille que avec la pointe de votre pinceau et si possible au centre. Et voilà, vous avez fini la peinture et on va pouvoir passer au socle de cette figurine.
Vous avez vu dans la boîte, il y avait un pot de texture. C'est de la peinture qui est mélangée à des petites billes de plastique pour simuler une texture de gravier en somme. Alors pour appliquer la texture, c'est pas bien compliqué. Vous prenez de la texture du coup sur votre pinceau et vous la déposez sur votre socle. Ça fait un gros petit tas. Au début ça fait un peu bizarre. Mais vous allez vite prendre le pli, ne vous en faites pas. Là il s'agira d'étaler la pâte sur le socle sans recouvrir les pieds, c'est quand même mieux, et en évitant de faire trop épais, mais tout en gardant assez de texture pour que ça se voit et que ça ait un air de texture. C'est super compliqué à expliquer, mais normalement quand vous l'aurez en face de vous, dans vos mains, vous devriez comprendre, ne vous en faites pas. Une fois que vous aurez tout bien étalé, vous allez pouvoir arrêter pour aujourd'hui. Effectivement, ça met relativement longtemps à sécher. Souvent, je texture les socles le soir pour les finir le lendemain. Donc je ne sais pas trop combien de temps il faudra que ça sèche, parce que je l'ai quasiment toujours fait le soir pour le lendemain. Mais à moins qu'il ne fasse vraiment chaud chez vous, il faudra au moins une heure minimum, je pense. Donc vous avez le temps d'aller regarder un petit épisode de série ou un film. Donc une fois que ça sera sec, donc le lendemain pour moi, vous allez faire tout simplement un lavis intégral sur le socle, avec la Grax Earthshade. Et une fois que ça sera sec, vous pourrez l'éclaircir, et bien évidemment, si vous ne vous sentez pas de faire cette étape, vous pouvez sauter cette étape et aller à la dernière. Sinon pour l'éclaircir, on va encore devoir faire un mélange, puisqu'on n'a pas les couleurs nécessaires, mais si vous ne voulez pas faire de mélange, à la place des deux étapes suivantes, vous pouvez acheter du Dawnstone et de l'Administratum Grey. On va faire un peu comme le bleu, à ceci près que cette fois on va commencer directement avec un mélange à 1 pour 1 de noir et de blanc, donc de la Baden Black et du Corax White. Pour l'éclaircir, vous allez charger votre pinceau en peinture, normalement, comme aux premières étapes, et brièvement l'essuyer sur votre sopalin. Puis vous passez délicatement, presque en parallèle, votre pinceau de la texture pour que la peinture ne se pose que sur les petits picots de texture du socle. C'est vraiment ça qui va donner l'effet socle réaliste. Si vous allez dans les creux, vous allez recouvrir votre lavis et donc l'assombrissement et donc les volumes. Quand vous aurez fini ça, il vous suffira de faire tout pareil avec un ratio de 1 de noir pour 3 de blanc au niveau du mélange. C'est à peu près l'équivalent du coup de l'administratum grey comme je l'ai dit. Et vous refaites exactement la même étape qu'avant en étant encore plus léger pour ne pas recouvrir tout le Dunstone que vous avez fait. Et voilà, on en arrive à la toute dernière étape qui consiste à passer de la Baden Black sur tout le tour du socle de la figurine. C'est pour la rendre plus propre. Si jamais vous n'aviez pas de figurine easy to build et que vous avez peint du coup des parties séparées, ça serait le moment de coller les éventuels morceaux de la figurine entre eux. Pour coller la figurine, une fois de peinte, faites bien attention à ne mettre que très peu de colle dans les jointures et surtout sans déborder sur la peinture. Comme je vous l'ai dit au début, la colle faisant fondre le plastique, elle fera baver la peinture également qui est sur le plastique qui sera en train de fondre. Et voilà, vous avez fini votre toute première figurine. Voilà donc à quoi ça ressemble. Alors comme je l'ai dit au début, si vous n'avez pas ce résultat, c'est loin d'être grave, ne vous en faites pas. C'est facilement atteignable avec un peu d'expérience et de la persévérance et de la patience. Mais de manière générale, au début, ce n'est pas trop ça, mais c'est normal. Il faut persévérer, comme je viens de le dire, ne vous en faites pas. La peinture, ça vient quand même bien plus vite qu'on peut le croire au final. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça va vous aider et que vous progresserez en peinture grâce à ça. Je pense que pour bien tout intégrer, vous devriez peindre 1, 2, 3, voire 4 ou 5 figurines avec ce tuto pour intégrer vraiment tout ce que j'ai donné comme technique et astuce à l'intérieur de cette vidéo. C'est complet et concis, mais comme je l'ai dit au tout début, la peinture c'est vraiment quelque chose qui s'apprend avec le temps, il n'y a pas vraiment de secret, donc persévérez et ça viendra. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce en l'air, dites-moi en commentaire si vous avez la moindre question ou le moindre problème, je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos. Si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir financièrement parlant sur Patreon, vous aurez plein de vidéos exclusives et de cours de peinture pour débutants et un peu plus confirmés. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao !